Hello! Hey, vous savez ce qu'on va faire, hein? Vous le savez très bien. Et j'ai hâte. J'ai très très hâte. Donc, on y va tout de suite, hein? On perd pas de temps. Allez, on y va. Et nous voilà en jeu. Allez, c'est parti. On va reprendre là où on en était. J'ai très très hâte. Là, là. On a cours, on vole, on y va vite. Moi, juste, j'aurais bien aimé choper du chêne noir, en fait, pour la couleur du bois. Mais hélas, je n'en ai pas trouvé. Parce que là, la mission principale, c'est taper du bois en masse. Parce que là, on n'aura pas assez de bois sinon pour finir la base. Et en fait, ça, c'est du bois d'acajou. Ok. Mais moi, ce que je veux, c'est du bois de chêne noir. Et ça, bah, je sais pas trop où en trouver, en fait. Malheureusement. C'est peut-être ça. Non, et pas noir. Là, c'est du chêne normal, ça. Ouais. Peut-être en faisant ça, non? Bois de chêne. Ouais, non. Ça fait chier. Vraiment, pour la couleur, pour ma base, j'aurais vraiment kiffé avoir le bois de chêne noir, quoi. Putain. Ah, ça m'embête. Là, franchement, ça m'embête de ouf. Et j'ai pas envie d'aller super loin non plus. Peut-être là-bas. On va voir. Il est pas plus noir là-bas? Non. Non, c'est dans ma tête. Ouais, je crois que c'est dans ma tête. Ah, peut-être que. Attention. On va voir. Ouais, non, c'est du bois d'acajou. Fait chier. Putain, mais j'arrive pas à sauter. Mais. Oh, fait chier ça. Bon, bah, je crois qu'on va faire avec le bois d'acajou. On n'a pas tellement le choix, en vrai. Oula. Faut pas que je fasse des dingueries non plus. Ah, cet arbre est vachement immense quand même. Ok. Bon, ça va sûrement suffire. On n'aura pas trouvé ce qu'on veut. Fait chier. Bon, au pire des cas, on pourra toujours changer plus tard si vraiment ça nous dérange. Mais en soi, c'est pas dérangeant. Hein. Mais bon, au moins, on aura tapé le bois nécessaire. On a un seul grand arbre et immense cet arbre. Ça fait plaisir. Mais oui, je viens de voir, c'est dans les forêts sombres apparemment. Le bois de chêne noir. Ah, c'est dommage parce qu'il est vachement beau, je trouve. Il va vachement bien avec le bois de chêne en bûche. Vous voyez? Du coup, ça, c'est quoi ça? Donc là, on va crafter ce qu'on a besoin. À la base, on va bouffer aussi parce que et se faire bouffer parce qu'on n'aura pas assez de bouffe sinon. Et puis ensuite, on continue la base, les amis. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que ce programme vous plaît. Moi, en tout cas, il me fait kiffer de ouf. Ok. Alors là, est-ce qu'on peut faire cuire de la bouffe déjà? Déjà, on a des citrouilles, graines de citrouille. Non, ça se mange pas ça? Ça fait chier ça. Merde. Bon, ça n'a pas l'air de se bouffer. On a fait du pain. Et puis ouais, on n'a pas tant de bouffe de plus que ça. Ah, si, ça. J'avais pas vu. Je crois que ça nourrit pas très bien. Hein. La pastèque. Ouais, voilà. On donne un coup. Et on y va, les amis. Ok, let's go. Bon, moi, apparemment, je suis en embrouille avec ce village là. Super. Alors que j'ai rien demandé en vrai. Ok, on voit notre base de loin là, ça fait plaisir. Oh yeah, oh yeah. Bon, faut qu'on tape un peu de chêne normal. Ah là, le bois, on en a limité en fait, putain. J'aurais peut-être pas dû mettre à proximité de l'eau, parce que du coup, ça tombe dans l'eau, c'est trop chiant. Bah là, ça va nous en faire des pommes hein, en vrai, les amis. Hein. Putain. Allez, c'est parti pour continuer la base. Alors là, 60, plus 60 pouces de chêne. Oh putain, il y aura de quoi faire, hein. Oh, sa mère. Alright. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça fait chier, on va devoir aller dormir là. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est un monstre en diamant ça ou quoi? Vous avez vu ou pas les gars? Oh là là, putain, c'est un creeper. Ils veulent tous me niquer là, ça y est. Pourquoi il y a des gens trop bizarres qui sont venus maintenant que je commence à construire ma maison? Ils ont quoi? Allez, c'est moi vivre. Oh, c'est un zombie en diamant. Il a même pas drop un diamant. Un connard. Oh, ça avance très bien, mais là, il va me remanquer du bois d'acajou. On va retaper du bois d'acajou. Allez, on est reparti. Je vous prends une fois que j'ai miné assez de bois d'acajou. On va la tenter un peu comme ça. Paf, on s'est fait le bois. Allez, on y retourne. On a vraiment trop. Attends, Oula. Hey, la chance, je sais pas siffler. J'aurais sifflé là. Comme ça, piou. Putain, je sais pas siffler la honte. Allez, let's go. Allez, on continue. Métier de bâtiment, c'est pas facile, hein. Ok, donc l'étage pour l'instant, ça donne ça. Ici, on va mettre le portail du Nether. Ok, on a rajouté des détails aussi devant. Ça donne ça. Ça, c'est très stylé, hein. Moi, j'aime beaucoup. On va retourner à la baraque de toute façon. On va se faire. On va se crafter en fait des choses. Je pense des lanternes déjà dans un premier temps. Parce qu'à chaque fois il fait sombre et c'est chiant. Et puis. Je vais éteindre cette source de lave parce que moi ça me gave.
Putain, comment je peux faire pour éteindre en bas, genre? En fait, il faudrait laisser cette source d'eau comme ça, qui miner en fait. Je sais pas, il faut combien pour faire la porte du Nether? Ah oui, en plus, il y aura... On se retrouve à... Ah oui, après une fois miné, blablabla, je vais arriver. On se retrouve une fois après avoir miné cette substance. Et encore un creeper de malheur là devant ma base. Putain, casse-toi. Ah d'accord, il y a carrément une araignée chez moi quoi. Là, il n'y a même plus de respect là. Là, on se fait même plus chier en fait. Paf, donc là, un coup de briquet et le portail est good. Oh, c'est beau, c'est beau. Et c'est pas mal. Alright. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, c'est une bonne question. Je pense que ça va être craft des lanternes et tout là. Ok. Ensuite, tu auras aussi faire des coffres. Oh, bah, ça y est, on peut commencer à faire des voyages pour ramener tout ici. Hein. Là, je crois qu'on est bon ici. Hein. Non, mais il est encore venu là, ce con? Et il harcèle. J'ai porté plainte. Hein. Putain, de con, va. C'est vraiment un petit con, lui. Hein. Alors, on va faire. Lui, c'est un putain d'harceleur, lui. Ah, c'est trop. Oh, sérieux, il faut aller se faire soigner, connard. En plus, à chaque fois, il me parle. Allez, ferme ta gueule. Et en plus, son âne, wesh. Il a mal à la gorge. Mais ta gueule, tu vends quoi? La grosse merde, en plus. Ok, derrière, ça donne ça. Bon, allez, on va se faire des lanternes. Ensuite, il faudra qu'on se fasse des coffres aussi. Il m'a suivi jusque-là. Non, mais lui, là, lui. Ah, lui? Ah, je crois que je vais l'emprisonner, lui. Ah, ouais. Celui-là, il mérite la violence. Franchement, là, ah, c'est grave. Alors. Il nous faut... Bon, on va essayer de ramener un max de trucs en même temps, hein. Franchement, là, ça y est, on y est, hein. On pourrait dire bientôt, là, même pas bientôt, mais... On pourrait dire qu'en vrai, je déménage. Et que ici, ce sera juste pour venir miner. Et ça, c'est chouette. Merde, non, je voulais faire un truc avant. C'était justement lanterne. Il faut du pépite de fer. Et pour faire ça, il faut. Ok. Et les torches. Alors. Ok, bon, j'ai 52 lanternes. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Mais j'espère. J'espère bien. Allez, bon, on va dormir un coup. On va profiter. Ah, fait chier. J'aime pas quand il pleut. Ah, bah ça va, il pleuvait que là-bas. Ah bah ça, voilà. Raison de plus pour se barrer là-bas. Hein. Alors, on va faire des coffres, là. Mais il vient chez moi. Non mais toi. Oh là, il m'attaque, bâtard. Voilà, c'est bon. Cassez-vous de là. Ah, ils m'ont vénère. Bande de trous du cul que vous êtes. Ils viennent chez moi, ils m'attaquent chez moi. Non mais on a vu ça où? Paf! Ah mais je vais pas entendre ce bruit tout le temps les gars. Ah non, ça va me saouler hein. Ah ouais, non, ça va me gaver moi. Ok. Bon, on avance pas mal du tout là. Ah là, c'est vachement cool hein, ce qu'on fait. T'as ce qu'il me faut, c'est des feux de camp et... Ah oui, avec ça. Que je crafte, je crois, un truc comme ça, là. Non, attendez. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant, les gars? Bon, là, il pleut derrière. Là, ça fera... Ici, il y aura peut-être des champs ou des animaux. Et aussi ici. Je sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai pas encore choisi. Autour, on va mettre des plantes et tout, etc. Vous savez si on peut rendre le Nether un peu silencieux, le portail? Parce que là, ça va être super chiant, hein. Moi, je vais le déplacer là, franchement. Ah ouais, ça va me saouler. Hein. J'aurais aimé de la feuillasse un peu plus verte quand même. Là, c'est moche. Ouais, il faudrait les feuilles plus vertes là-bas, là. Ceux de la jungle, ça ira très très vite. Mais il y a v'là la famille. Hein. Ah ouais. Il y a v'là la familia. Touche-moi pas, toi. On va dormir un coup et puis après, on va tout déménager. Et puis après, en vrai, je vous prends une fois que tout est déménagé, comme ça. Là,
Vous verrez le moment le plus satisfaisant. C'est dommage, on va pas se faire juste un sac à dos, ça aurait été trop bien. Ça c'est vraiment chiant les amis, les allers-retours. Hein. Heureusement qu'on n'avait pas énormément, parce que putain. Là, on aurait pleuré du sang là, sinon. Ah, je vous le dis. Je vous le dis. Ta gueule. Après au moins 10 allers-retours, je sais pas combien. Je suis encore en vie. Allez, dernier aller. Enfin, dernier aller-retour. Et on est bon. Enfin. Bon, bah là, on pourra dire que je déménage. Yeah! Ok, allez, on se casse. Ok, nickel chrome. Nickel chrome, nickel chrome. Alors là, qu'est-ce qui nous manque? Concrètement, il nous faudrait plus de bûches et du charbon, ouais. Putain. Ok. Voilà, on va taper un peu de bois du coup. Comme ça, on finit les côtés, on éclaire les côtés en même temps. Ça va être sympa. Ok, on a miné un peu. Ça fait plaisir. Paf. Ok. Allez, encore 14 feux de camp. Et on est bon. Paf. Hop. Ça, c'est good. On prend aussi les lanternes qui sont juste ici. Paf. On fait ça. Et on va finir l'extérieur. Magnifique. Alors attention, c'est comme ça. Et voilà, ça c'est l'extérieur, le derrière. Nickel. Hop, ici aussi. Et bah parfait, c'est ça qu'on aime. Bah, toute ouverte, elle est pas fermée encore, mais bon. On y vient, on y vient. Comment on fait pour faire du verre plat? J'ai capté. On va déjà faire fondre le verre. Hop, avec les petites vitres comme ceci, ça fait plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là pour l'instant, bon, ça se voit que c'est en travaux, hein, mais ça avance super bien. Oh, je suis trop content. On a fait des petites fenêtres là. Autour, c'est chaleureux, c'est éclairé, c'est trop bien. Alors, franchement, c'est oh, c'est super cool. Je suis trop content. On va mettre des barrières et tout. Ouais, c'est mieux sans ça. Hein. Comme ça, on voit l'entrée et tout. Ouais, non, franchement, ça tue. C'est trop bien. Bon, de toute façon, les amis, vous vous en doutez bien. Là, ça va être une fin d'épisode. Bon, on aura quand même vachement avancé la base. Ça prend vachement de temps. Hein. Là, bien sûr, il y aura beaucoup de coupures chez vous, mais là. Moi, je suis à peut-être 3 heures d'enregistrement là. Phew, ça commence à faire. Bon, sur ce, on se dit à très vite pour un prochain épisode et je pense que le prochain, ce sera la fin de la base. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, les amis. Restez branchés surtout, on se dit à très très vite pour le prochain épisode. La fin, enfin, finir la maison avec les décos et tout, je pense. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Peace!